Sosten Loa était marié et père de 4 enfants. Il a été tué devant sa famille, atteint par une balle mortelle au cœur. Nous avons été abattus par l'annonce de la mort tragique de Sosten Loa en nous réveillant hier matin. C'est vraiment une tragédie qu'il ne méritait pas. Il ne le méritait pas parce que Sosten, nous, c'est un camarade de promotion. On a fait 4 ans d'études à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a été et il restera le plus calme, le plus serein de la promotion. C'était un homme sage, d'une très grande piété. Sekouna Keita soutient que la mort de Sosten est une perte immense. Il souhaite que les autorités fassent la lumière sur cette affaire. Je pense que sa mort est une immense perte pour sa famille, pour ses amis et pour l'Église catholique, hein, qu'il a beaucoup servi. J'exprime tout naturellement ma profonde émotion à sa famille et je souhaite que les autorités fassent le nécessaire pour que ceux qui ont commis cet acte criminel soient le plus rapidement retrouvés et qu'ils répondent de leurs actes devant le tribunal guinéen. Journaliste de profession, Sosten travaillait au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il sera inhumé mardi prochain à Kolea, après une messe d'enterrement prévue à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum.